Donc bonjour à tous, c'est Oracle 90, on se retrouve pour un tout nouveau let's play en live de Nier 2. Bon, moi je prononce Nier 2 mais bon. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, donc ce jeu possède une fonction de sauvegarde automatique, ne quittez pas, n'éteignez pas votre système lorsque cette icône est affichée. Ok. On va le mettre au maximum. Hop, voilà. C'est quoi ça, le mode d'action? Service bleu d'image. Ouais, bon, on va prendre celui-là. Donc j'espère que... Oula. Le bout terminal... Ouais, pourquoi pas. Ok. Afficher l'équipement en tête, ouais. Sous-titres activés, oui. Attends. Affichage des dégâts subis, ouais. Pourquoi pas. Afficher les valeurs sur l'ajout de PV, ouais. Afficher la valeur d'ajout de qui, ouais. D'anima, c'est quoi anima? Bon, je pense que c'est bon, on verra ça plus tard. Donc j'espère que c'est pas trop dur pour vous, hein, à cause du confinement dû au coronavirus. Vraiment casse-couille. Alors. Système, c'est quoi ça? Pas mettre du mode de jeu, ok. Ok. Bon, c'est mon premier jeu sur Nier. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Donc, nouvelle partie. À ce qui paraît, il est encore plus chaud que Sekiro. Sachant que Sekiro, ça m'a pris plus d'un mois pour le faire. Donc, j'ai fini de planifier mes vidéos. Donc, je pense que. Once upon a time, a giant man with horns appeared in a distant village. The villagers welcomed him with joy, believing he brought blessings from the spirit world. However, as time went by, they began to fear him. Tormented by the villagers, he began to attack them. Until he came to be dubbed a demon. One of the village youths decided to make a stand. He gathered a multitude of golden stones, forging them into a blade that gleamed with an otherworldly light. With this mysterious blade, the invincible demon was cut down. Live on, my child. Be strong.
Ah, you have gone big, have you not? I just can't wait to see how our child turns out. All I know is that there will be no limit to their potential. Ok, bon, désolé, il y avait ma mère qui est venue, qui est rentrée. Oh putain. Ok, donc là on est dans la phase de création du personnage. Ok, alors la base. J'imagine que ça doit être un homme ou une femme. If it's a girl, I'm sure she will be beautiful, just like you. Well, we'll see. Après, ça me dérange pas de jouer un perso de fille. Hein. Je vous rappelle que j'avais déjà joué un perso de fille, Cassandra, dans Assassin's Creed Odyssey. Celle-là a une bonne tête. Pourquoi pas? Posture. C'est quoi la posture? Ah! D'accord. Non, c'est très bien comme ça. Sans plus. Couleur de la peau. Ouais, type du visage. Je vois pas la différence, gros. Je vois une légère différence, mais très subtile. Hein. One note. Balek. I hope their eyes will be just like yours. You know how I love your eyes. Non. Une femme jeune plutôt. Oh, no. I hope our child has eyes as beautiful as yours. Le mec, on dirait un gros pervers. Oula. Celui-là a l'air plutôt pas mal. Ouais. Hauteur des sourcils. Oula non. Ouais. Attends, on peut changer la couleur des sourcils? Oh. En général, c'est à peu près plus ou moins la même couleur des cheveux. Ok. Niveau des yeux, t'as un pré-réglage?
Non. Ouais, bon, ça change pas grand chose perso. Angle des yeux, profondeur des yeux, profondeur de paupières, apparence des yeux. Non, c'est très bien comme ça. Le nez. Voilà, peut-être pas, hein. Ok, au niveau de la bouche. Cicatrice. All I want is for our child to grow up without knowing trouble or strife. Accessoire. What? I pray that they will be a hero on the battlefield. Non. Déconnez pas, les gars. Alors, au niveau des cheveux. I can't wait for the day I get to brush my child's hair. If they're anything like their father, they won't want to sit still for you. On peut changer un petit peu la couleur des cheveux. Non. Blond comme ça, non, j'aime pas. Ah, mais des mèches colorées. Ouais. Non. Pilosité faciale, non. Maquillage, non. Le Any corps. daughter of ours will be tough, like her mother. Tour de poitrine, sérieux? Well, you may be right. After Oh all, you non. are her father. J'imagine les gros pervers, mais gros. Cicatrice, tatouage. Ça peut être intéressant. Je sais même pas à quoi ça veut dire. Ouais. Au niveau de la jambe gauche. Non. Putain, mais c'est immonde, hein, sans déconner. C'est tout? Well, there is no need to be anxious. I know they will make us proud. Type de cheveux, sérieux? Sans cheveux, non. Ça c'est mieux, la couleur des cheveux, non. Féroce fantôme. Ah, je sais pas, les gars. On voit que le tatouage, non.
éviter le tatouage. Ouais, on va rester là-dessus. Grow up to be strong, won't you? Ok les gars, les gens. Oula. Ok. Pour courir, c'est Ok, d'accord, c'est comme ça. Putain, t'as aussi une barre d'endurance. Ah, ça me fait penser à 3 Zelda. Les statues de Bouddha, ouais. Ok. J'aime pas trop parce qu'en fait... je pense que c'est pas une arme très rapide, je pense. Ça me fait penser un petit peu à un perso de des chevaliers des zodiaques, le gars qui jouait qui se battait avec des chaînes. Je crois qu'il s'appelle Shiryu, je crois. Ok. Tofa, c'est quoi ça? Oh. Après t'as une hache, ouais. Après t'as une lance. Petit katana. Double katana. Ok, il n'y a pas vraiment de temps mort. Ça, je peux changer, non? Ah, attends, on peut avoir deux autres armes, je crois, non? Dorian, foiré. Ok. Vous avez acquis un fragment de branche céleste. Si
Si vous l'utilisez pendant une mission, vous pouvez quitter celle-ci et revenir à la carte. Par contre, vous perdez tout l'Arita en votre possession. D'accord. Ah merde! Je pensais que c'était le temps de chargement. Attends. Donc le... pour l'esquive, c'est la croix, d'accord. Ça c'est pour attaquer. Ok. Ça c'est pour se parer. Ok. Y a rien qu'on puisse faire. On n'a même pas encore tué quelqu'un. Ok. Je vais quand même visiter un petit peu. Ah d'accord. Ok. D'accord. En fait je pensais qu'on allait pouvoir nager si on sautait dans l'eau, mais non. C'est pas comme dans Sekiro. Like that.
Ok, il y a un problème. Bon, écoutez, le boss, on va faire ça une autre fois. Putain, l'endurance part trop vite. Mais c'est quoi ça, ce jeu? Ça fait penser à Zelda, là, Breath of the Wild. Just get out of here. Go. Contre explosif et attaque explosif. Ah ouais, pourquoi ça marche pas alors? Putain, le boss. Je vais baisser la mon endurance ici. Putain, mais t'es sérieux? Péter ce jeu.
Voilà. Oh putain. Mais c'est quoi ce jeu? Tu peux même pas ressusciter. Oh. C'est bizarre en fait. Oh merde, putain. Don't get careless. I'll drive this right through your skull. Putain, faut aller où? Lui, je savais pas qu'il pouvait faire ça. Putain. If only this world knew peace, this child may have grown up to live a full life. Putain, l'endurance de merde. Yeah.
Bon voilà, on s'améliore peu à peu. Mais bon. On doit faire une offrande, c'est ça? En fait, le qui résiste au feu.